over Santo. Over Santo. Over Santo. Over Santo. Over Santo. Notre président, canto notre président, oh oh, Majestino, on est en haut, nous sommes en haut, le culte de la personnalité de ça, le culte, le charme de la personnalité, on veut canto, oh, on veut canto, président, président, président. Avant de poursuivre, si vous êtes nouveau sur la chaîne, nous vous suggérons de prendre quelques secondes pour vous abonner en cliquant simplement sur le bouton s'abonner, et par la suite d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos futures publications. Chauffe la salle, sortez! Notre père est là!
pas fini notre chanson. Tiens, deux. Ça, c'est le culte de la personnalité, alors pas le mouvement. Ava chauffer oh zingo, hey ama, hey ama zingo, oh yo yo, ça va chauffer oh oh, hey ya ya, ça va chauffer oh oh. Pardon les gars, je vous jure que la joie de ça, je dormais, je me suis réveillée, je suis tombée sur la nouvelle, bim. Tous les atomes de mon corps sont en état d'alerte. Alerte, alerte. Les gars, on dit que quoi? Quand à Paris, attends, je suis même tellement émue que je pleure. Quand à Paris, mouf. Je dis mouf. Mouf. Paris là, ce sera le mami pi. Ce sera le Mami Wata. Le meeting de ça. Ce n'est pas les bacs Bajo. Ce n'est pas les Bajona. Hein? Ce n'est pas les histoires qu'on dit là. Le père est là. Le 3G, c'était beau. Mais nous allons faire 3 fois plus que le 3G. Le 18 mai, c'était beau. Mais on va faire 15 fois plus que le 18 mai. Quant à Paris, les gars. À Paris, il nous appelle à un meeting au Trocadéro. Le jour-là, hein, le travail s'arrête le jour-là. Si on doit nous chasser au travail, on va nous chasser. On ne travaille pas. Portez vos enfants. Allez, si, venez même avec les enfants. Vous déposez les enfants où? Dis donc. Vous déposez les enfants où? Venez avec les enfants. Il y aura les billets du conseil. Moi-même, j'en ai. Moi-même, j'ai les billets. Celui qui n'a pas de billets, viens, on va lui donner. Il y aura les billets du conseil là-bas. Venez. Ce n'est pas les mouang, 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 les bacs, mouf. Quand tu es à Paris, mon ami. Quand tu es à Paris, je dis qu'on doit paralyser Paris. Paris sera prise. Oui. La force des talibans. Nous allons faire une démonstration de force à Paris. Nous allons bloquer toute la ville d'abord. Ensuite, on quitte du meeting. On marche jusqu'au zénith. Je dis, on quitte du meeting, la meute, les dizaines de milliers de Camerounais. On waka jusqu'au zénith. Ce sera le meeting de la gloire glorieuse. Je dis bien le meeting de la gloire glorieuse. Ce ne sera pas les affaires que quelqu'un reste chez lui, on lui raconte. Il faudra être là pour vivre ça. Mon frère, quand tu viens à Paris, merde, attendez, je mets d'abord la musique, je danse parce que je suis tellement contente. Oula! Ouh, ouh. Le meeting a pris une autre envergure, c'est fini, c'est terminé. Le meeting là a pris une autre. Et le conseil là, ça a pris une autre dimension, mon ami. C'est stratosphérique maintenant. Ce n'est même plus les bacs Bajo. Ce n'est pas les wong wong wong. Ce n'est pas les histoires. J'ai dit que c'est stratosphérique maintenant. Attendez. Je joue la musique de mon père. Oh là là. Ouh là 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 là. Mais attends, on est où là? On est où? Sauve-nous. Tous, c'est tout. Hey, hey, on est fatigué. Hey, on veut le changement. Hey, oh ma palette blanche. Salut ma lionne. Salut ma générale. J'ai dit que ce sera le meeting de la gloire glorieuse, ce n'est plus les histoires. Sauvez-nous. Pardon, sortez de tous les côtés, le père est là.
coule tanto. Le père est là-haut, amène de l'air, amène de terre, les réservistes. Sortez, amène marine. Sortez. On doit faire le meeting de la gloire glorieuse. Maman, la cosa de ça, vous dites quoi? Mof! Dégagez avec les pépettes! Changement. Venez les gars, sortez! J'ai dit qu'on aura les biens à vous distribuer. Moha! On aura! Sortez! J'ai dit que le toit du zénith là va sauter! Le toit là va sauter! Les talibans vont soulever le toit là, jeter ça dehors. Merde! Papa, quand toi là, vous parlez de quoi? Hey! J'ai dit que le toit du zénith là va sauter. Les bobis tanap seront là-haut. Les bobis tanap en avant. Mon président, pas les wong wong. J'ai cultivé le champ. Le champ de la personnalité. Oh, ah. De la diaspora, salut Elisabeth, Marie Jane, je te salue. Comme tu me fais, salut. Homme de Dieu, je te fais bisous, tu es très fidèle. Bisous, je vous adore. Andrea Thompson, salut Mario, Sakio, peuple, lève-toi, Sakio. Le père est là-haut. T'appelles l'alerte partout. Alerte. Oui. Vive la Talibanie, vive la tontinadie, vive les pauvres, vive nous-mêmes, nous sommes forts. C'est pas les groupes, ce n'est pas ce qu'on raconte, nous sommes forts. On va démontrer notre force à Paris. Hesh! Pause! Quand on est fort, on démontre sa force. Les talibans sont forts. Nous sommes forts. Et on va démontrer à Paris le samedi notre force, notre force de frappe. Cameroun, salut fiston, sortez de tous les côtés, le père est là. On dit que quoi? Que Kanto est là. Hey! Non, je ne veux pas les chansons des machins. Non, nous on veut notre chanson de notre père. Bon. On met encore qui? On a joué pas Kanto, sauve nous. Attends, je mets encore. Quant à notre président, nous sommes les mots jusqu'à. C'est mot un genre qui n'est pas bon. Voilà. Hé les gars. Hein? On ne peut pas le culte de la personnalité. C'est l'église, c'est le gourou, l'homme providentiel. Notre homme providentiel, notre gourou, le gourou de la secte, il est là. Et on va faire la secte, la piang, dehors, tous les talibans. Nuancité. Salut. Je n'arrive pas Kanto, ma chérie. Oh, on veut Kanto. 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 Notre président, tant que notre président, je sais que ça se dit, tant que notre
Je mets Kamto MP Namachwa. Ok. Kamto MP Namachwa. Ok. Bon, cherchons. Voilà, c'est ça ici, non? Je pense que c'est le premier son là. En train de danser, c'est de ça qu'il s'agit.
Oui, même Dieu est dans cette affaire-là. Même Dieu est dedans. Malgré toutes les tortures, regardez où on se retrouve. Regardez où on se retrouve. Malgré toutes les difficultés, toutes les persécutions, toutes les tortures, toutes les peines, les souffrances qu'on endure. Regardez où on va. Je dis que c'est le meeting de la gloire glorieuse. Ce sera le concert de la gloire glorieuse. On part du Crocadéro. On marche. Oh, la police ne pourra rien contre 15 000 Camerounais. Je dis bien que la police, là, hein, ils vont s'asseoir, ils vont nous regarder. Parce que celui qui tente son ami Pima va voir le voirage. La meute va marcher du Trocadéro au Zénith avec le président élu à la tête. C'est comme ça et pas autrement. Je dis bien que nous partons du Trocadéro. On marche en rang serré par dizaines de milliers jusqu'au Zénith. On explose les bêtises. Le toit de cette affaire-là doit sauter. Ce n'est pas les histoires qu'on dit. Que quelqu'un ne dise pas qu'il n'avait pas le billet de 35 euros. Hein. 35 euros, c'est quoi, mon frère? On fait les métiers ici de 20 000 euros. Vous parlez que 35 euros, vous n'avez pas. Je dis bien que celui qui n'est pas là n'a aucune excuse. Il y aura les billets en soc-soc. Sortez de tous les côtés. C'est notre gloire. C'est notre gloire. C'est notre heure de gloire. Oui. On a travaillé. On a bossé dur, on a mouillé le maillot pendant 3 ans. Nous avons mouillé le maillot. Oui, 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 oui. On a mouillé le maillot. Maintenant là, c'est l'heure de dire à nos héros qui sont en prison, de leur dire, accrochez-vous les gars. Ce que vous voyez sur Paris aujourd'hui, c'est ce qui va se passer au Cameroun demain. C'est l'occasion de dire à tous nos militants, tous nos combattants qui se battent tous les jours aux 200 Français contre la satrapie, qui n'ont pas d'espoir, qui n'ont personne pour les soutenir, qui se battent contre un système pourri jusqu'à la moelle, de leur dire, votre travail n'est pas vain. Ce qui se passe à Paris se passera au Cameroun. La gloire glorieuse de Paris, ce sera la gloire glorieuse du Cameroun. Oui, nous devons faire montre de solidarité, parce qu'il ne s'agit pas seulement de nous, c'est un message fort, mais alors vraiment très fort, que nous renvoyons vers Yaoundé pour leur dire, que la machine est en marche et rien ne peut l'arrêter. Je dis bien rien. La machine est en marche. Et nous allons rendre ainsi hommage à tous les combattants qui sont tombés sur le champ de bataille. Pour leur dire, votre sang versé ne sera pas vain. Nous allons continuer la lutte jusqu'à ce que votre rêve s'accomplisse pour vos enfants. Oui, c'est de ça qu'il est question. Parce que la lutte ne s'arrête pas pour un combattant lorsqu'il meurt ou lorsqu'il est emprisonné. Lorsqu'un combattant tombe sur le champ de bataille, il sait que ses compagnons continuent la lutte. Et c'est de ça qu'il est question. Nous allons regalvaniser tous nos combattants qui sont sur le terrain au Cameroun. En ce moment même, à l'heure où je suis en train de parler, en train de faire du porte-à-porte, en train de mobiliser, de sensibiliser. Nous allons regalvaniser tous nos combattants qui sont en train de croupir dans les geôles infestes. Tout comme le général Valsero coupissait il y a de cela 2 ans dans les geôles infestes de la soldatesque, même dans ses rêves les plus fous, il n'avait jamais imaginé que sortant de Konengi, de l'université de Konengi, il se retrouverait au Zénith. Alors ce sera l'occasion de dire à ses combattants, voici votre avenir. Vous êtes peut-être en prison aujourd'hui, vous êtes peut-être séquestré aujourd'hui, vous souffrez peut-être aujourd'hui, mais demain vous allez vivre la gloire glorieuse. Parce que ce combat que nous menons, voilà ce combat où nous, ce foutu combat où nous sacrifions nos vies, ne sera jamais vain. Je dis bien jamais. Ne sera jamais vain. Nous allons gagner ce combat. Même la nature est avec nous. Regardez comment les vieux croulants, croupissants, mourants, voleurs sont en train de tomber un à un comme les mouches face à la COVID. Parce qu'ils avaient volé l'argent de la COVID. Et qu'ils avaient puni le peuple, le pauvre peuple, aujourd'hui ils sont en train de payer le prix. Je dis, il y a la main de Dieu dedans. Que celui qui avait douté un seul instant de cette résistance, de ce combat, que celui qui croyait que c'était le combat de 2 jours, qu'il se mette d'abord de côté, il nous laisse continuer. Parce que le combat s'y est. Le combat s'y est. Le président lui a dit que ce n'est pas la course de vitesse. Ce n'est pas le 100 mètres, c'est la résistance, c'est la course de fond. Voilà, et vous avez vu comment la première année, j'ai couru. J'avais maigri comme ça, comme le Makanjo. Les Sardinas venaient m'écrire ici que je vais mourir avant Biya. Je pesais 50 kilos, 30 kilos. J'avais maigri parce que je croyais que le combat, c'était la vitesse. J'ai tout mis en un an. Vous,
C'est quand j'ai compris que Sandy, calmos, le combat ce n'est pas la précipitation. Le combat c'est la résistance. C'est celui qui va mettre ses tripes dedans. C'est celui qui va mettre son âme dedans. C'est celui qui va vivre le combat. Et non, on ne fait pas le combat, on vit le combat. On le vit dans nos veines, on le vit dans nos âmes. C'est de ça qu'il est question. Alors ce samedi, c'est le samedi de la gloire glorieuse. Je dis bien que c'est le samedi de la gloire glorieuse. Ouais, chaque fois que je suis sortie taper le tam-tam de mon boss ici, est-ce que j'ai tapé le tam-tam pour rien? Je mets au défi ici quelqu'un qui va me dire que j'ai tapé le tam-tam de mon boss pour rien. Chaque fois que j'ai sorti le tam-tam de mon père, c'était le mamipi. C'était le mamipi. Le 3 juillet, on a eu les combats des combats. Les gens qui disaient qu'ils vont venir gâter, ils vont venir bagarrer, ils vont venir avec leur haut-parleur, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Mais ça, nous, on a seulement tapé le tam-tam. Ils ont dit que, oh, on a menti que le président sera là. Et que si comme tu ne viens pas, on ne peut pas mobiliser. Il y a eu quoi? Il y a eu quoi? Rappelez-moi un peu ce qu'il y a eu le 3 juillet, comme tu n'étais même pas là. Hein. Rappelez-moi un peu. Vite fait comme ça, là, vite fait. Il y a eu quoi le 3 juillet, le président, lui, n'était pas là. Il y avait eu quoi? Il y avait eu quoi? Dites-moi un peu ce qu'il y avait eu. Il y avait eu le Mami Pima. Il y avait eu le Nyamsele. Il y avait eu la fin du monde de la marche. Kamto n'était même pas là. Et on vous dit que Kamto est là. Vous croyez que ce sera quoi? Vous croyez que ce sera quoi? Que Kamto est là? Hé! Hey! Oh, wow! Kamto est là, ce sera la mort. La mort, la finale, le Mami Pi. Je dis bien que ce sera le Mami Pi. Ce sera le Mami Wata de la marche. Tout le monde écrit Mami Pi. Je dis bien le Mami Pi. Ce sera le Mami Pi de la marche. Ce sera le Mami Wata. Celui qui n'est pas là n'est pas combattant. Je dis bien. Même les négas camptologues seront là. Je mets au défi le négas camptologue qui ne va pas venir. Ils seront là. Oh, ah. Est-ce qu'ils ont un leader pour montrer? Ils ont quel leader? Je dis que le samedi, si, ce sera le Mami Wata de la marche. Voilà mes Mami Pi. Le Mami Pi de la démonstration de force. Je dis bien le Mami Pi ma. Quand la momie vient ici, ils vont payer les Maliens, les Sénégalais pour venir s'aligner en route et dire que les Camerounais l'ont accueilli. Je dis que quand le président Kamto arrive, Mami Pi, je dis bien Mami Pi, ce n'est pas les... Et il ne dit rien à personne, hein. Il fait lui sa petite chose, c'est nous. J'ai dit qu'il n'a même plus le choix, on ne lui demande même pas. On ne lui demande pas, on fait roha. On fait la démonstration de force. Roha. J'ai dit que même si le président nous dit aujourd'hui que les gars arrêtent le combat, il finit, on va lui dire que dis donc dégage. Tu nous as mis dans le combat, nous on continue seulement. Le combat là ne finit pas. Tu nous as montré qu'un Cameroun nouveau est possible. Maman, vous avez déjà vu Lien qui renifle le sang et abandonne. Mon ami, le président nous a montré qu'un Cameroun nouveau est possible. Le gars qui a pris les nouveaux concepts au Camerounais, les bas audito, maman, les Camerounais connaissaient ce qu'on appelait audit. Quand toi es venu ouvrir les yeux aux Camerounais comme ça, ils sont déjà intelligents, ils sont sages, ils connaissent leurs droits. Les Camerounais connaissaient ce qu'on appelait que conseil constitutionnel. Ils connaissaient ça où? Ça passait comme la lettre à la poste, non? Le président, quand toi es venu nous ouvrir les yeux, il est venu nous montrer le goût d'un Cameroun où il y aura la justice, d'un Cameroun où il y aura la paix, d'un Cameroun où il y aura la méritocratie, d'un Cameroun où il y aura le travail. Il est venu nous donner ce goût-là. Donc maintenant, là, on ne laisse pas. On ne laisse pas. On ne laisse plus. Après 3 ans de sacrifice, on ne laisse pas. Soit on meurt, soit on gagne. Et on va gagner. On gagne. Et l'occasion de démontrer qu'on va gagner, c'est samedi à Paris, au Zénith. Trocadéro d'abord. Tout le monde au Trocadéro. J'ai dit qu'il y aura... Mais il n'y aura pas quoi. Qu'est-ce qui dépasse les talibans, mon frère? Qu'est-ce qui nous dépasse?
Montrez-nous un défi que nous n'avons pas pu relever. Qu'est-ce qui nous dépasse? C'est la Nyama que vous voulez voir. Ce sont les biens gratuits que vous voulez voir. Ce sont les t-shirts que vous voulez voir. Il y en a de tout. Nous, on a tout dans notre résistance. On a tout. Et on va faire une démonstration de force. Pour une fois que je ne suis pas en train d'aboyer sur les sardinats, mais notre joie leur fait tout autant mal. Surtout, hein, pas le petit peuple sardinat. On parle des grosses sardines, hein, les vraies grosses, les grosses sardines là, qui ont les milliards qui pèsent dans leur ventre. Ça leur fait mal. Donc les gars, rendez-vous ce soir pour le tchoukage multi-azimut. Multi-azimut, tchoukage na tchoukage. C'est-à-dire que je sors de mon gata avec une rage pas possible. Quand je n'étais pas là, le pasteur bonimenteur a versé des insanités dans la toile jusqu'à arriver au point où il a attaqué le président élu. Donc prenez place, achetez vos tickets ce soir. Ce soir-ci, éradication, anangonisation du pasteur bonimenteur. Oui, je sors du gata avec une rage qui n'a pas de nom. Vous pouvez pas imaginer comment vous... Tu es là, tu vois comment on déchiquette ton président, mais tu ne peux pas parler, tu es muselé, mon frère. Donc, pasteur bonimenteur, pasteur. Le président dit qu'il aime tout le monde, non? Tu peux venir samedi, pasteur. Mais tu viendras, hein? Toi, tu connais là où tu pars, hein? Je ne te dis rien. Mais viens quand même. On a dit c'est pour tous les Camerounais. Viens, viens, pasteur. Nous t'invitons. Nous invitons tous les Camerounais à venir ce samedi au Trocadéro et ensuite nous allons tous marcher vers le Zénith. C'est le Cameroun qui gagne, un Cameroun uni, fort et nouveau nous attend, mais nous allons devoir continuer le travail pour que nous atteignions la terre promise avec en tête de file, en avant, devant le leader, le président élu Maurice Kamto, notre homme providentiel. Qui veut ou qui ne veut pas, aura. On lui demande même plus. Il est devant. Il ne peut même plus tenter de dire qu'il parle. Tu es devant le Père. Tu es devant, aura. On te met devant. Donc, les gars, c'est de ça qu'il s'agit. Je passe un bonjour très spécial à papa, notre padre. Je sais qu'il est très busy en ce moment en train de préparer son show. Je passe un bonjour spécial à toutes les petites mains qui sont en train de faire un travail de fourmi en arrière-plan pour que ce concert soit un succès total. Je salue ici et je félicite la générale Salomé Tchapchet qui a mobilisé les troupes du côté de Paris et qui a bat un travail de titan. Je salue ici Nkamwa la Panthère, notre panthère nationale. Je lui présente encore une fois mes condoléances pour la mort de sa maman et je le félicite pour le travail de mobilisation qu'il est en train de faire du côté de Paris. Je ne vais pas citer tout le monde, je salue la villageoise du Quad qui est des troupes parisiennes et qui remue ciel et terre pour que ce concert soit le concert de la gloire glorieuse, le concert du succès final. Et avant de partir, donc, je passe ainsi un salut patriotique à l'honorable Jean-Michel Ninche qui sera des nôtres à Paris. Je passe un bonjour patriotique à tous les prisonniers politiques. Tous ceux qui sont encore entre les mains, les otages du satrape, je pense ici à Olivier Bibou-Nissac, je pense ici au professeur Alain Foguet, d'ailleurs je porte son t-shirt préféré, où sont les 32 PV, je pense à Salomon Béas, Sébastien Ebala, je pense à tous ceux qui subissent la torture au quotidien dans la geôle à ciel ouvert qu'est le Cameroun. Je salue tous les combattants qui continuent d'abattre un travail de fond sur le terrain. Normalement, nous devons continuer de les encourager, de les féliciter, de leur envoyer des énergies, des ondes positives, parce qu'au final, c'est au 237 que ces combattants-là vont faire la différence. Mais l'impulsion viendra de la diaspora. La diaspora a pris le pouvoir, hora. Nous détenons le pouvoir là. C'est nous qui donnons le ton, nous dictons le ton aujourd'hui. Donc vraiment, merci à tous les combattants d'avoir maintenu la cadence, le pas,
nous allons continuer à travailler. La satapi va tomber et elle tombera à coup sûr. Même le Covid est en train de nous aider dans ce sens. Quand vous avez dit que même le Covid va travailler pour nous, regardez ce qui se passe. De toutes les façons, il y a Dieu dedans. Il y a la main de Dieu sur ça. Donc, nous disons merci à tout le monde. Et nous... Regardez, même la neige choisit de tomber à Bana et ça énerve les gens. Hein? La neige pouvait tomber partout au Cameroun, mais elle a choisi de tomber quelque part dans une certaine région. Et ça rend des gens furieux. On ne sait pas pourquoi. Mais bon, on va en parler ce soir dans le live de ce soir, multi-tchoukage. Et restons mobilisés, surtout soyons très mobilisés pour samedi. Ce sera la gloire glorieuse. Notre président mérite tous les honneurs possibles. Parce que oui, c'est nous sa force. Nous allons encore lui donner cette force-là. Et nous allons démontrer à Yaoundé. Parce que quand nous on tous, Yaoundé a le rhume. J'ai dit que quand on éternue, Yaoundé a le corona. Nous allons éternuer samedi. Et ça va tomber de partout à Yaoundé. C'est de ça qu'il est question. Nous allons paralyser le 237 à partir de Paris. Notre surface de réparation. Je dis bien. Et ça, moi, je parle au hasard. Regardez, je suis une fouteuse. Hein, Ndamba, Ndamba de Fosenta. On va déposer le rond central de notre stade. C'est à Paris, le 18 septembre 2021. C'est là-bas que le ballon va se jouer. Ndamba Gobi. Le ballon va se jouer à Paris le 18 septembre. Notre nouvelle surface de réparation, c'est à Paris. Oui. C'est de là-bas qu'on va tirer le pénalty. Ça va entrer dans les buts à Yaoundé. Les pleurs de ça. Les pleurs de ça. Donc, ne manquez pas. Et avant de partir, je vous fais un coup de tête, non? Ou bien? Je vous fais un coup de tête? Allez, je vous aime, je vous adore.